message de Dieu, le sang de l'agneau est plus fort que même nos familles. Oh mon Dieu, ce qui nous unit est plus fort. C'est le sang de ma... Shalom. Shalom. Je vous salue tous dans le bon nom merveilleux. Na pesibi no mbote na kombo kito. Précieux. Oya kito kwa mbote. Oya kito kwa puissant. Oya mbouya. Incomparable. Oya kokani na kombo mbote. Insondable. Oya kiko kimate. Le nom qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le nom est qu'on a. Moi, je suis né dans cette église. Ngai na botama na losambo oyo. Je resterai dans cette église. Na kotika la kakaka na losambo oyo. Parce que pamba spirituel, cordon ombilical est coupé ici. Motolo na ngai bakata ki yango awa. Je vous suis tous les jours. Je suis nazali l'église ici tous les jours. Olandaka losambo mokolo na mokolo. Le mercredi c'est le repêché. Vendredi j'étais dans l'avion. Mais je savais que ça sera le frère Kabuya qui prêchait. Parce que nous là-bas nous prions mardi, jeudi et dimanche. Chaque mercredi je vous suis. Chaque mercredi je vous suis. Chaque dimanche. Parce que nous nous prions l'après-midi. Vous ici vous commencez le matin. Ça fait 2 semaines. J'avais téléphoné mon petit frère Kalala Carlos. Pour lui jeter des fleurs. Lorsqu'il lui prêchait sur les titres de propriété incontestable. Moi je ne suis pas un flatteur. Je dis la vérité. Mon petit frère a tellement grandi. Et ce jour-là, c'était merveilleux. Moi que je suis dans les repos, j'ai appelé un frère. Appelle Kalala. Benga Kalala. Je vais vraiment dire merci à Seigneur Jésus-Christ. Pour la manière dont il l'a utilisé. Après même il y avait les messages qui étaient sortis. Il y avait tellement d'onction. Mais j'ai compris que nous avons un doyen ici. Mais l'église est jeune. L'église est jeune. Pendant qu'on donnait le message, j'ai vu toute l'église sous l'onction. Après j'ai vu l'homme de Dieu venir pour redresser un peu ça. C'est là que j'ai compris que parfois vous regardez ce mal ici. Mais moi lorsque je vous suis, je vois même 206. Il y a un grand travail. Mais mon conseil, Jésus revient bientôt. Mon conseil, n'ayons pas l'esprit de compétition. Dieu a élevé tellement notre pasteur, notre père, mais le comparer avec personne. Comparez-le avec le Seigneur Jésus Christ. Et je vous dis une chose, je suis parmi les rares enfants de Beka que les gens ne comprennent pas. Moi je soutiens cet homme de Dieu. Il ne me donne rien. Je le soutiens. Parce que Dieu qui m'a lié avec mon père ici. Je suis des rares des prédicateurs où toute sa vie spirituelle est liée à Beka. Celui qui nous a prêché dans les groupes de prière, il m'a baptisé. Il a consacré mon ministère. Il a consacré mon mariage. Il a consacré moi, pasteur,
à Cape Town. Mais alors, si je parle contre lui, j'ai détruit ma propriété. Moi, je préfère que lui parle contre moi. Et moi, je ne parle pas contre lui. Et je le fais. Aujourd'hui, 20 ans. Personne peut se lever ici pour dire que j'ai parlé contre cet homme. Quoi qu'avant il y avait nos combats inutiles, Dieu nous a tous disciplinés. C'est pourquoi vous qui êtes là, travaillez avec papa, travaillez dans l'unité. Ne cherchez pas qui est le premier. Nous on avait cherché ça. Aujourd'hui nous sommes éparpillés. Personne n'est ici. Tous les premiers enfants là, personne n'est ici. Et ça vous enseigne aussi d'être ensemble. Ne comparez-vous jamais avec quelqu'un. Priez pour notre papa. C'est ce que moi je fais. Si je vois quelque chose que je ne vois pas clair, je prends mes genoux, je mets sur terre et je prie pour ça. Je ne m'écouterai jamais à un endroit où j'ai parlé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que, bon, avant de terminer, je vais dire une chose. Parce que je me sens mal à l'aise. Avant que je quitte ici, c'était août 2002. Mon père m'a amené dans un grand restaurant. On a bien mangé. Nous avons fait notre alliance. Nous deux. Et moi j'ai dit, bien que je quitte, bien que je parle, quelle que soit ma route, tu n'attendras jamais un jour que je parle contre toi. S'il y a quelque chose, je viendrai moi-même vers toi. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, je les respecte. Et pour terminer, lors de mon anniversaire, 60e anniversaire, tous les pasteurs du monde m'ont souhaité bon anniversaire. Des grands là. Ça fait 2 heures et quelques. Bon, Beka était la dernière personne. Beka zalaki moto asuka. Lorsque on a présenté ce ma Beka, tango batalisika ka Beka, toute l'église dans l'onction. Ecclesia mobimbe koti kati na ko. J'ai dit bon, moi qui parle contre lui. Mais voilà comment les gens se réjouissent. Tota ndenga batu bazo sepela pona ye. N'écoutez pas ce que le diable dit. Je suis de cette église. Je resterai dans cette église. Lorsque je vois mes petits frères émerger, ça me fait du bien. Je ne suis pas jaloux. J'aime tout le monde. Mais un problème avec moi, j'aime l'unité. C'est ça mon problème. J'aime l'unité. C'est le passé Barut qui m'a enseigné ça. Il ne peut pas fuir ça. C'est sa prédication. Ceux qui étaient là en 1990, on nous avait chifflé ici. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Le passé Barut est allé là-bas. Il a prêché là-bas. Une année après, c'est ce que moi je suis jusqu'aujourd'hui. Comme j'ai dit pour terminer, moi c'est ça ma maison. Mais je peux visiter les autres pour garder l'amour. Et pour terminer, j'avais envoyé à ma mère, Maman Baruti, une image. Vous savez de qui? De passer Fibidila. Vous êtes resté calme maintenant. En train de parler. Bien pour le passé Barut. Alors moi j'ai pris ça. J'ai envoyé ça. C'est ce que moi j'aime. Compris s'aimer. Mettons nos différences à côté. Soyons, restons ensemble unis. C'est ça, frère Panzou. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Vous voyez déjà à partir de climat là, on était fort. Quand Rigini a commencé, c'est alors qu'on a trouvé un homme de ouf, alors on a retrouvé l'aile. On a repris, on a renoué encore maintenant
nation, mais jusqu'à ce qu'on devait, il y avait encore des persécutions des églises. Hein. On devait former des prêtres, envoyer frère Kayumba ici pour monter ça, mais ça, ainsi de suite, comme ça. Donc, quand la Pentecôte est arrivée, enfin, quand Frère Mugunda est revenu, Frère Baruté, le passé Baruté est revenu des États-Unis, de Kouma, tout ça, et je suis venu. Je suis venu ici. Mm-hmm. Je me rappelle qu'ils ont prié pour moi. Mm-hmm. Pasteur Kayumba, Pasteur Baruti. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est l'angle aussi. Mm-hmm. Il y avait une sœur, c'est une vision, quelque chose comme ça, qu'on devait prier pour moi, mm-hmm. pour la Pentecôte. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Oui, quand je suis rentré du chemin, c'est là qu'on avait eu la première réunion de réveil. Ça dit que j'avais prêché sur le baptême du Saint-Esprit, on a prié, alors il y a eu aussi des manifestations vraiment intenses. C'est de l'histoire passée, on vous a pris beaucoup de temps. Si vous vouliez dire un mot de la fin pour. Alors, voyez, si je dois revenir pour la Pentecôte. Mmh. La Pentecôte, en tout cas, cette action-là, quand on a pris ça à Rigini, parce qu'en ce temps-là, quand Rigini avait commencé, voyez, on n'avait pas d'autre assemblée. Et puis quand Dieu était sorti, vous voyez, il était déjà allé avec Frère Mukayubi. Bon, moi, j'étais avec Rigini, tout ça, je venais. Alors on avait pris cette nouvelle-là, alors on a vécu des choses comme ça. Alors c'est ce que je dis, je crois qu'il y avait un message, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de prophéties qu'on devait prier pour moi aussi, pour que cette mission vienne aussi sur moi. Et je suis venu devant, Pasteur Baruti, Pasteur Lando, je me rappelle, je crois que toi, Pasteur Lando, Pasteur Kaloum, ils ont prié aussi pour moi, ils ont posé la main pour que les réveils, le même Pentecôte arrive au sein du jeune. Et curieusement, quand je suis rentré, on avait déjà tenu des réunions de prière de baptême du Saint-Esprit souvent, mais après cette action-là, la réunion que j'avais tenue là, c'était vraiment formidable. C'était formidable, il y avait des manifestations aussi, des choses comme ça. Ça a créé un peu d'impact aussi dans mon église comme cela. L'histoire doit être annoncée parce que les gens doivent savoir. Quand vous avez des lunettes, je peux vous confondre. Je suis devenu différent. Merci, pasteur. Okay. Est-ce que peut-on considérer aujourd'hui, parce que vous avez évolué à Mujimaï, les fruits sont remarquables. À Kinshasa, Pasteur Baruti, les fruits sont là. Bon, Frère Mukunda, nous savons comment ça s'est terminé, et bien d'autres. Pensez-vous que cela soit, comment dire, une façon pour Dieu de dire, voici les hommes que j'avais choisis, mais les autres c'était de la volonté permissive. Je me permets de dire ainsi parce que c'est ce qui s'est dit. Pasteur, si vous pouvez réagir par rapport à ça, en ajoutant votre mandat. Je dois alors parler, parce que j'ai parlé du côté de mon chemin, il faut que je parle de ce que moi j'ai constaté. Tout ce temps que je venais à partir de l'Inde, cet essor, ce réveil dans l'église, chez Frère Mukunda, il n'y en avait pas. Bien qu'on faisait des foyers, il n'y en avait pas. Quand ils sont sortis, bon, j'apprenais. Quand Frère Mukunda a prêché, il y avait de la joie. Pour les doctrines qui prêchaient, il y avait la joie dans l'église, on se réjouissait de la prédication. C'était l'atmosphère de la prédication qu'on se réjouissait, des doctrines, la façon qu'il prêchait. Mais depuis que Pasteur Baruti est passé à la tête de la tabernacle de l'église, cet essor ici, ça c'est particulier. Et c'est pourquoi là, comme je l'ai dit, à partir de mon passé, Baruti est passé pasteur de la tabernacle de l'église, là, c'est là que j'ai dit que c'est l'homme qu'il fallait pour le tabernacle de l'église. Vous voyez? Et Dieu l'a revêtu. On va parler même de la Pentecôte. Je crois qu'à partir, parce que comme il a dit qu'il était parti, on avait prié pour le parcours, mais ainsi de suite comme ça. Ça a connu un essor. Comme il avait tous les temps déjà les dons de guérison, mais qui n'était pas encore peut-être tellement loin, comme quand on l'a mis en évidence comme pasteur. Et je vous assure que l'essor que nous avons maintenant réuni, et la façon même que les assemblées, le ministère Frère Baruti a fait l'impact, non pas seulement à Kinshasa, mais dans les pays aussi. Et vous voyez surtout la démonstration de stade. Là, je dois dire incontestablement. Ça, personne ne peut nier cela. C'est l'homme qu'il fallait pour le tabernacle de Rigini. Et je me dis toujours que si un autre est passé, je ne pense pas que Rigini pouvait connaître le niveau spirituel ou l'essor qu'il a aujourd'hui.
Donc c'est pour dire que, en tout cas, que les croyants de l'Iguini restent unis derrière le pasteur Baruti, ses associés et tous les diacres, qu'ils soient unis en travaillant ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai dû passer Baruti que je pars en Bujimaï. Sachez que tu dois te préparer, tu vas venir nous rejoindre en Bujimaï. Il m'a dit que je laisserai tout, je viendrai. Parce que pour moi, je vois, vous voyez, dans le corps de Christ, vous voyez, un peu comme je viens dans le message, il y a des dispensations. Il y a eu l'âge de la justification avec Luther, où est la sanctification, nous avons l'âge de la résurrection avec la Pentecôte, mais la dispensation, nous sommes, c'est l'âge de l'adoption, le placement. Donc, les dons qui se trouvent en chacun, c'est là Dieu met le placement. Nous sommes dans le temps où chacun, donc la double portion, donc c'est Dieu est en train de loin de le ministère. Alors, si moi, la grâce que Dieu a mis en moi, d'enseigner, de prêcher la parole de Dieu, Frère Baruti, il est prédicateur, Dieu a mis en lui surtout cette grâce ici, les dons de guérison, donc des miracles qu'il est en train d'opérer, ça doit être pour l'édification du corps de Christ. Et là où moi, je ne peux pas, lui peut compléter. C'est ainsi que, comme certaines choses sont passées, des choses qui bouillaient là, et c'est pourquoi j'ai trouvé que nous avons aussi besoin de son ministère en Bujimaï, pour venir encore manifester un peu que Jésus-Christ est venu hier, aujourd'hui, pour toujours. Je vois aussi le courage, Frère Baruti ne recule pas. Donc, il est brave. Avec quelquefois, nous autres, nous pouvons prier pour un cas, mais quand vous trouvez le cas, bon, vous sentez vous-même qu'ici, peut-être, mais lui, il ne recule. Donc, déjà, il est déjà exercé. Alors, nous avons besoin de c'est pourquoi, comme je l'ai dit pour le dernier mot, que ce que l'Église est aujourd'hui, c'est vraiment la grâce que Dieu, c'est la personne qui convient. Donc, c'est le Frère Baruti, même quand nous avions commencé, voyez qu'on avait une poche, même quand poche, je disais qu'une poche, il prêchait, mais il priait pour les malades, mais... Dieu, soutenez-le. Tango, vous allez comment, Motonzambe, Bosungaye. Frère Madame la Pépé, Moïse n'a pas dit, je suis Dieu. Mose, Arobakatete, Ngaï Mose, Nazalinzambe. Il n'avait pas toute la plénitude de Dieu. Azalaki n'a dit ton imobi manzambe. Comme Dieu travaillait dans Moïse. Et Dieu a dit, je te fais Dieu. Pour ton grand frère Aaron. Pour Pharaon. Quand Pharaon te verra, il va trembler. Tout ce que tu prieras, moi je répondrai. Je vous conseille de vous unir avec ce grand homme. De vous connecter avec ce grand homme. Comme l'avait fait la reine de Séba. De le soutenir. Vous pensez que la reine de Séba était venue de même ville? Elle était venue me produire. Hein? Balobi. La Bible parle. Siga passe nangalo. Lourdement chargé. Ayaka penda na mikumba ebele. La reine de Seba était venue lourdement chargée. Moi si mon cousin Seba ayaka na mikumba ebele. De l'or, de l'encens et beaucoup d'histoires. Pour soutenir les dons. Bona ko sungali kabo. Est-ce que je suis un don? Ngai nazalili kabo. Amen. Est-ce que quelqu'un a bénéficié ici de ce don? Amen. Il faut s'unir à ce don. Il faut aimer la personne. Il faut le soutenir. Je vous donne ce don. Jésus, ce qui nous unit est plus grand.
message de Dieu, le sang de l'agneau, est plus fort que même nos familles.